73, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un pion boxing. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu voir la vignette, vous avez déjà vu ce que c'est. On voit pas grand chose pour l'instant. Alors c'est quoi, c'est du parfum. Voilà. Alors, mini radio. Voilà, les petites infos bien sûr. 470 MHz, en plus ou moins 3 watts. Voilà. Voilà pour les petites infos. On dirait un peu un smartphone. Hop là. Allez, c'est parti, on ouvre. Je déballe avec vous. C'est parti. Super. Voilà l'appareil. On vous montre de près ce que c'est. 3 volts. Volt 7. Donc il est vraiment très très compact. Alors bien sûr, on peut le. Ça ressemble un peu à une cigarette électronique. Petite ceinture. Donc un chargeur type USB made in China. En tout cas, ouais, je pense que c'est du 110 volts. Donc il n'y a pas d'info, un adaptateur qui va bien. Une pseudo dragon, un kit oreillette, une documentation. Donc comme d'habitude. Ah bon, en plus c'est marquant. Allez hop, documentation. Alors, c'est quoi? C'est du type C. Non, c'est du micro USB. Voilà. Micro USB, donc il faudra un câble. Il y a un jack ici, donc oui, il y a un jack, comme vous pouvez le voir juste ici. Un jack. Alors, pour l'allumer, alors je cherche, je suis comme vous. Voilà, ici. Allumer 88. 1. 16. 16 canaux. Voilà. Alors, je ne sais pas sur quoi ça fonctionne. Je vais prendre le frequency compteur. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, il y a le frequency compteur. On va regarder. Alors, canal 1. C'est parti, je vais y mettre. Mais vous fumez, monsieur. Donc, bonne question. Ah oui, on peut pas y mettre autant pour moi. Alors, il y a marqué U, là. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah, il faut mettre le kit oreillette, en fait. D'accord. Ok. Il faut mettre. Ça fonctionne qu'avec le kit oreillette. Bon, je viens de brancher le kit oreillette. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4, 04. Ah oui. Alors, c'est parti. Je vais y mettre en même temps. Je vous montre. 443. 250, ok. Donc, je vais essayer de changer de fréquence. Le 16. Alors, canal 16. Alors, 455. Ok. Donc, je vais essayer de mettre une fréquence. 45, 225. Voilà. Donc là, je passe en émission. 1, 2. 1, 2. Bah, ça fonctionne en tout cas. Alors, 1, 2, alors, le micro est en 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon ça fonctionne évidemment, dans l'autre sens, bah, vous n'entendrez pas parce que c'est le kit oreillette, je vais essayer, 1, 2, ah non, 1, 2, 3, non bah il y a un CTSS, en plus il y a un CTSS donc c'est pas évident, voilà je vous mets le lien dans la description, bon du matériel très très compact, qui n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Voilà 73 à tous. Très très léger, lien dans la description, vous verrez ce que vous en pensez, ça peut être intéressant pour les salons éventuellement, voilà, autrement c'est pas du matériel que j'utiliserai là, voilà 73 à tous, à très bientôt, et si ça vous a plu, un petit pouce si le genre de produit vous a plu, si vous connaissiez pas, à très bientôt.
Voilà le descriptif, donc il fait 50 grammes, voilà, poids du paquet, donc tout est indiqué. 99 canaux, 470. Je vous montre un petit peu les photos de l'appareil. Voilà, je vous dirais si vous aimez un peu ce système. Alors c'est les infos que j'ai trouvées bien sûr sur internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, faut trouver le CPS, je viens de le demander au vendeur. Si vous voulez une deuxième vidéo au sujet de la programmation, si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas, je vous dirai ce que j'en pense. Et si j'ai réussi à trouver le CPS, avant que vous faisiez un achat, qui ne vous servira pas. À très bientôt.